Moi, c'est très simple. En fait, la poétesse qui n'est malheureusement pas là, c'est Lydie de Brouwer. Il a écrit donc un poème sur la chaise. Et moi, j'ai décidé de l'écrire en poème sur le lit. Alors, je vais le lire. Ça s'appelle La vie dans le lit. La vie dans le lit, elle m'engloutit dans ses travers de lit. Je me débats, mais je faiblis, car j'en ai trop envie. De me coucher, fermer les yeux, ne plus penser à rien, tant que l'envie d'être dans la vie et dans ce lit me tient. Voilà, c'est très court. Et alors, le suivant, ça porte sur l'enfance. L'enfance ne t'en va pas. Sois toujours présente. Pour éclairer nos pas et la vie inconstante qu'on mène ou mènera au bout des solitudes, veillant sur nous parfois pendant les temps trop rudes. L'enfance ne t'en va pas. Tu es notre seul trésor. Le reste, c'est du blabla des hommes vils et forts qui se prennent pour des dieux, niant la vraie nature, alors qu'on est heureux quand on est immature. Et quand on croit savoir que le monde est à nous, qu'on est prêt à croire que quand on y rejoue, croire à l'innocence qui fait la vérité de notre appartenance à la réalité qui plane et nous entoure du matin au soir et où seulement l'amour nous transmet l'espoir de revenir, serait-ce en court instant aux pleurs et aux rires des éternels enfants. Merci.